Partez à l'aventure par tous les temps, en suivant la météo avec nouveau SUV Citroën C5 Aircross et son volume de coffre jusqu'à 720 litres. Citroën. Bonjour les amis, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo, même un jour férié. Et oui, la météo ne prend pas de congé. Et malheureusement pour cette journée de vendredi au petit matin, on attend de nombreux passages nuageux, difficiles de voir les rayons du soleil. Côté température, on est loin de ce qu'on a connu en ce début de semaine. 9 degrés au petit matin pour la métropole illoise à se partager avec Saint-Quentin, 10 degrés pour Amiens, idem du côté d'Arras. Pour la suite de votre journée, on attend de la pluie qui va balayer l'ensemble de nos départements, difficile de passer à travers les gouttes et les températures qui afficheront 12 degrés pour Saint-Quentin ainsi que pour la métropole illoise, 13 degrés du côté de Chamouille à se partager avec Château-Thierry et 1 degré de plus notamment pour Calais. Pour la journée de samedi, c'est globalement le même programme météo avec toujours ce parapluie qui restera l'accessoire indispensable pour cette journée avec de la pluie éparse. Côté température, eh bien c'est la bonne nouvelle du jour. Dans un flux de secteur sud, eh bien ça va remonter avec 14 degrés du côté d'Armentières pour Saint-Quentin ainsi que pour Hirson, idem pour Laon et 15 degrés pour Péronne. Pour la journée de dimanche, une petite accalmie se met en place avec le retour d'éclaircies, même si elles seront entrecoupées d'averses et les températures qui vont légèrement repartir à la baisse entre 10 et 12 degrés. À noter quelques rafales entre 80 voire même 90 km/h sur les caps les plus exposés. En ce 1er novembre, on perd quelques minutes de soleil. Passez une excellente journée. C'est la météo, avec nouveau SUV Citroën C5 Aircross et son volume de coffre jusqu'à 720 litres.